Bonjour, je m'appelle André Bargue et je suis président de la communauté de communes Casal Salviac sur laquelle nous nous trouvons à Gendou. Gendou Cinéma donc année à sa 33e année et depuis de nombreuses années on le soutenait au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire qu'on votait une subvention de fonctionnement à l'association. Et petit à petit, cette association a pris de l'importance, a développé son activité, s'est professionnalisée et il est apparu que le besoin était tout autre, c'est-à-dire qu'il fallait ancrer l'association sur le territoire et lui donner un outil pour bien travailler. Et ça s'est concrétisé dans les années 2000, en 2007 notamment, par la création du cinéma de verdure et tout l'espace administratif de l'association. C'était le premier engagement en termes d'investissement pour la communauté de communes. On n'impose pas, la collectivité ne peut pas imposer quelque chose, un investissement. On part toujours d'un besoin réel des associations, des acteurs locaux, à milieu culturel. Et c'est ainsi que le besoin pour Gendou, c'était d'assurer le cinéma de jour, donc sous chapiteau. Chapiteau, c'était délicat parce que c'est l'investissement, c'est de la main-d'œuvre, c'est du travail, c'est de la charge de travail. Et il demandait si on pouvait réaliser une salle en dur. On a dit pourquoi pas, on va travailler là-dessus, mais on ne peut pas sérieusement investir de l'argent public uniquement pour répondre à un besoin sur 8 jours de l'année. Donc, on a travaillé avec d'autres acteurs locaux, on a élargi le cercle de réflexion, communauté de communes et acteurs locaux. On a beaucoup de compagnies, une compagnie théâtrale professionnelle, une compagnie de danse contemporaine professionnelle, les arts plastiques, la musique, etc. Et en tout, une vingtaine d'associations qui font de la diffusion en matière culturelle. Donc, on a élargi cette réflexion et on est arrivé à la conclusion donc de s'engager sur cette salle en dur, mais ce n'est pas une salle uniquement pour la projection cinématographique, c'est aussi une salle de spectacle vivant qui répond aux critères d'accueil des artistes et des spectateurs. Est-ce que c'est une salle qui aurait pu être autre part qu'à Gendou ? Alors non, puisque l'idée première quand même c'est de répondre aussi aux besoins de Gendou. Ça c'est l'idée première. Donc on ne pouvait pas imaginer de séparer la salle de l'activité principale du festival. C'était inconcevable de faire prendre une voiture pour aller à 5 ou 10 km du lieu du festival. Mais en même temps, on n'est pas très loin. Je disais tout à l'heure, 15 communes, c'est la plus loin et elle est à 10 minutes, 15 minutes de Gendou, donc ce n'est pas un problème. Il n'y a pas que ça sur le territoire, parce qu'on essaie quand même de mailler le territoire. C'est pour ça qu'à Marmignan, nous avons le studio de création, le foyer, qui reçoit des artistes en résidence, en danse, en théâtre. Et nous avons d'autres lieux, l'Oussal à la Rampoule à Vercantière, qui est dédié plus aux activités autour de l'Occitanie, etc. Mais qui reçoit, lui, un public debout, plutôt. C'est plus polyvalent, l'Oussal. Alors que là, c'est vraiment la salle de spectacle, boîte noire, avec les sièges fixes, les coulisses, la scène, l'écran, etc. Alors moi j'ai envie de poser une autre question. C'est très bien d'avoir une salle comme ça. Ils sont où les bistrots? Bonne question, parce que Gendou n'a pas de bistrot pour le moment. Mais après, effectivement, quand il y a des manifestations, il y a toujours les associations, les organisateurs qui organisent une buvette autour. Et donc, c'est comme ça que ça se passe lors des fêtes votives, des spectacles qu'il y a dans les communes. Il y a toujours, effectivement, un bar occasionnel, évidemment, comme c'est autorisé, qui s'ouvre et donc ça répond à la demande. Donc ça pose pas de problème, ça. Donc la salle, qui coûte 1,5 million d'euros, je crois, c'est ça? Pardon? 1,5 million d'euros, 1,5 million hors taxe. J'ai entendu des gens dire que c'était très très cher. C'est très cher pour 8 jours. En général, c'est ce qu'ils disent. Donc on explique que c'est pas pour eux. Et combien a coûté Neymar au PSG? Ouais,
222, c'est ça, oui. Donc on a invité en début d'année toutes les associations diffuseurs, que ce soit gérées par les bénévoles ou des structures plus professionnelles, pour travailler ensemble autour de la table sur la programmation d'une saison culturelle. Ils ont décidé à l'unanimité d'adhérer à cette initiative-là. Et le but, c'est d'arriver à coordonner toutes les activités de chacun, d'essayer d'éviter les problèmes de calendrier, mais en même temps, avec un coordonnateur que nous avons embauché, d'avoir une offre culturelle la plus diverse possible. Et comme ça, on assure une diversité et un maillage sur tout le territoire. En ayant, évidemment, comme point central, Gendou, mais pas que. Mais la retombée dans l'esprit des gens, dans l'éducation, etc., de la culture, ça ne se mesure pas. Mais il a fallu quand même approcher ce côté économique. Sur la communauté de communes, l'ensemble des acteurs produisent quand même, assurent 17 équivalents temps plein. Donc ce n'est pas négligeable. Plus le nombre de manifestations qu'il y a, il y a un roulement, il y a de l'économie, de l'argent qui rentre, qui sort, etc. C'est ça l'économie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul, c'est-à-dire la communauté de communes a des petits moyens, le département du Lot aussi. Si on veut développer au-delà, il faut convaincre aussi la région, l'État, l'Europe, etc. Donc eux, ils ont une vision tout autre, vue d'en haut, Gendou, la communauté de communes Casal-Saliac, c'est pas grand-chose. Mais on essaie quand même de leur montrer que la taille que nous avons, la taille géographique que nous avons, qui est une petite communauté de communes, arrive à générer quand même beaucoup de projets, d'économies, etc. Et c'est parce qu'on est à cette taille-là, taille humaine, qu'on arrive justement à avoir tous ces quotas qui sont relativement honnêtes et respectables si on regarde les moyennes par habitant. Donc il ne faut pas négliger cette proximité. Et puis en même temps, si on veut que l'implication des élus soit vraiment réelle. Parce que plus on élargit les territoires, plus les centres de décision s'éloignent et on n'est plus en contact avec les citoyens. Après, on s'étonne que, évidemment, les gens n'aillent pas voter. Ça m'interroge beaucoup. Donc c'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen. Ah ben totalement, je le revendique.